Suite du programme. Donc euh, voilà. Les cours, alors, les cours collectifs. Donc, ça, c'est quelque chose que je, dont j'ai je, je, vraiment envie de vous parler. Euh, on l'a on a déjà évoqué tout à l'heure avec les ateliers. Et donc, euh, là, je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore pris de cours et qui vont voir la rediffusion. Si vous voulez mettre ça en commentaire sous la vidéo, ça, ça, ça me ferait bien plaisir. Parce que le. Je pense que le, la meilleure. Je me suis souvent demandé quelle était la meilleure formule pour, pour apprendre la musique. Et je m'aperçois que les cours collectifs, c'est vraiment la meilleure formule qui soit. Alors, quand je dis cours collectif, je ne parle pas de cours devant 50 personnes. Ça, c'est pas. D'après mon expérience, je ne veux pas me fâcher avec ceux qui le font. Hein, si... Il y a des gens qui donnent des cours à 50 personnes en même temps. Si ça marche pour eux, tant mieux. Moi, d'après mon expérience, ce n'est vraiment pas une bonne chose parce que euh, quand on donne. Euh, à moins de faire des cours de 12 heures et à ce moment-là de, de prendre chaque personne et de, de s'intéresser à chaque personne et d'essayer de chaque personne, euh, je ne vois pas comment en une heure ou deux on peut aider 50-50 élèves. Moi, ça me paraît, ça me paraît absurde. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours reproché à l'éducation nationale. Enfin, je ne vais pas faire un procès contre l'éducation nationale ce soir, mais, mais avoir des... Moi, je sais qu'en classe de seconde, par exemple, on était 48 élèves inscrits. Quoi. Donc 48 élèves. Euh, bon, en, dans les faits, on n'était que 45. Mon 45 en cours d'histoire où tout le monde gratte son cours, bon ça va à peu près. Quand on se retrouvé en classe de langue et qu'on était en, là de, pour le coup en classe de langue, on était effectivement 48 élèves. Je peux vous assurer que moi, j'ai en euh, cours d'anglais, j'ai parlé, j'ai dit à peu près trois fois sur l'année, parce que c'est impossible de, de participer. Alors, ceux qui veulent participer, participer se mettent au fond. Ils se déjà m'interrogé On on interrogé les 20, les 15 ou 20 élèves les plus motivés ou les meilleurs en anglais. Donc en fait. Ça n'a été personne parce que ceux qui étaient déjà bons en anglais, bah, ils parlaient tout le temps. Et ceux qui étaient euh, mauvais ou qui avaient du mal en, en, en langue, ils ne parlaient jamais. Bon, voilà, donc euh, c'était complètement absurde. Donc, moi, je me refuse complètement à faire ça parce que je ne veux pas. Euh... C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais voulu entrer à l'éducation nationale. Ce n'est pas une question de salaire, de moyens, de je ne sais pas quoi. C'est juste que bah, moi, j'adore l'enseignement et je veux que mes élèves réussissent. Quoi. Et je ne veux pas me dire, euh, chouette, il y a 10 élèves sur ma classe qui réussissent. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux que tout le monde réussisse. Bon, tout le monde soit content. Bon et donc c'est pour ça que j'ai toujours privilégié les cours, les cours privés et puis en fait je me, je me suis rendu compte que bah, justement en faisant des, en animant des stages que bah, finalement le cours privé c'est bien, ça, ça peut con, correspondre à certaines personnes mais le stage c'est encore dix fois mieux c'est-à-dire qu'on progresse nettement, nettement plus vite en, en stage qu'en qu cours, qu cours privé et j'ai d'ailleurs un élève qui, qui avait commencé les, les cours avec moi qui a fait des, plusieurs années de, de cours en cours privé et qui quand il a goûté au stage, il m'a dit j'arrête les cours. Ah bon, tu arrêtes l'harmonica? Ah non, non, j'arrête pas l'harmonica. J'arrête les cours particuliers. Par contre, je ne fais plus que des stages. Bah oui, il a raison, parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on a de plus dans le stage par rapport au cours privé? Ben, on a aussi la dynamique du groupe. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que. L'intervention d'une personne qui Ah oui, tiens, ça, c'est pas idiot comme question de ça, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, du coup, ah bah oui, tiens, tu as bien fait de poser la question. Tiens, d'ailleurs, ça, ça, ça me comble une, une lacune. Et puis, ah bah d'ailleurs, je peux rebondir sur la question de quelqu'un parce que, bah, tiens, moi aussi, ça fait penser à d'autres questions. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en cours, enfin, on peut le faire en cours particulier, mais c'est plus sympa à le faire avec les élèves, c'est qu'on peut faire aussi des jeux musicaux. C'est-à-dire que dans les cours d'improvisation, par exemple, quelqu'un lance une phrase, l'autre la répète, il la transforme, etc. Donc, sous couvert du prof, c'est-à-dire que je, je, évidemment, je, je guide tout ça je guide l'exercice. Le, le, mais plutôt que l'exercice le, soit, soit fait entre l'élève et le prof, parce que le prof, bah évidemment, euh, au début, je faisais ça avec mes élèves en cours particulier. Il me dit, bah oui, mais euh, moi, je lançais une phrase et l'élève essayait de la répéter. Puis quand l'élève faisait une phrase, bah, je la répétais aussitôt. Bah, évidemment, je suis le prof, donc c'est normal que je, que je sache le faire. Mais ce n'était pas, pas tellement l'intérêt. L'intérêt, c'était justement de pouvoir faire, de pouvoir passer d'un élève à l'autre. Bon. Le fait de le faire en, en stage comme ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, euh, bah, donc, les stages, c'est bien quand les gens se déplacent, c'est convivial, etc. Mais tout le monde ne peut pas se déplacer en stage. Et finalement, je me dis, bah, les ateliers en ligne, c'est bah, des formes de mini-stage, en fait. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. Si, euh, si on peut se regrouper à 2, 3, 4, 5, 6, pas plus de 8 élèves, quoi. même 6 élèves, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, 12, 15, 20, après c'est beaucoup, beaucoup trop. beaucoup trop, quoi. Donc euh, généralement, je, je limite mes, mes ateliers à 6. Sur certains, sur certains ateliers, on peut aller jusqu'à 8, mais, euh, mais jamais au-delà. Et, euh, et donc, si ça vous intéresse, alors le truc c'est que, qu'effectivement, il y a déjà des formations qui vous sont proposées, mais peut-être que vous pouvez vous dire bah, moi euh, j'ai déjà un certain niveau en harmonica, je n'ai pas tellement besoin des formations, mais il y a quand même des petites choses que j'aimerais travailler. Et je n'ai pas forcément envie de, de me lancer dans une formation juste pour travailler deux, trois, deux, trois parties de, qui m'intéresseraient. Parce que l'avantage des cours privés sur les formations, c'est quoi bah, C'est que quelqu'un qui fait déjà l'harmonica, qui a déjà un certain niveau, me dit bah, Attendez, moi, je ne vais pas prendre cette formation-là, je connais déjà les trois quarts. Et puis, c'est là aussi, c'est pareil, j'en connais déjà la moitié. Donc, bah, tenez, je vais plutôt prendre des cours particuliers avec vous. Bah, on peut le faire aussi en petit groupe, on peut, en atelier, en utilisant la même plateforme que ce qu'on utilise ce soir. Et du coup, ça bah, vous bénéficiez de la dynamique de groupe. C'est plus sympa, c'est plus convivial. Et puis, ça motive aussi, parce que quand on est tout seul, moi, j'ai souvent des élèves en cours privé qui me disent Ah, cette semaine, je n'ai pas trop travaillé. Oui, tu rien foutu, quoi. <laughs> oui, exactement, c'est ça, je n'ai rien foutu. Bon. Et euh, ah, bah, cette semaine-là, non plus. Eh, bah, oui, mais là, il va que tu t'y mettes. Non, non, mais t'en fais pas. Non, mais attends, moi, je te paye ton cours, il n'y a pas de problème. Bah, oui, je sais bien, mais, mais moi, je te, dis, je te dis ça pour ta motivation. C'est quand même plus motivant de, de progresser que de faire du surplace. Mais c'est vrai que quand on ajoute le prof devant soi, il dit, bon, bah, le prof il va m'engueuler, bah non, je ne vais pas l'engueuler. Bon, je peux comprendre qu'il n'ait pas le temps de, parfois, de travailler dans la semaine, ça arrive. Mais du coup, comme l'élève lui-même n'est pas motivé à progresser parce qu'il n'y a pas la dynamique du groupe, bah, à un moment donné, il peut aussi se démotiver. Quoi. Moi, j'ai eu un élève pendant, pendant un temps, c'est un élève de piano-blues, il ne travaillait jamais, quoi. J'ai dit, boss, quoi, parce qu'on fait tout le temps le même cours. Alors, moi, je peux le refaire 15 000 fois le même cours, hein, mais euh, ça ne me dérange pas, mais euh, c'est quand même pas très motivant. Donc, allez. Euh, alors Du coup, ce que j'avais trouvé pour le motiver, je lui ai dit écoute, je vais t'inscrire à un concert d'élèves, comme ça, tu vas être obligé de jouer avec les autres, donc tu es obligé de bosser. Ah oui, d'accord, donc du coup, il s'est mis à bosser. Quoi. Mais c'est justement parce qu'il y avait l'objectif de jouer avec les autres. Quoi. Mais si je, si je l'avais laissé tout seul, peut-être qu'il aurait passé un an sur le même cours. Enfin bon, euh, enfin, je pense que c'est un peu absurde, mais, mais c'est ça l'idée c'est que quand on est en groupe, forcément, on est aussi motivé par les autres. Quoi. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre l'accent euh, maintenant sur, les, sur ces cours-là. C'est-à-dire de, de, de lâcher de plus en plus les cours privés, parce que j'ai aussi des cours privés où je me déplace chez les autres élèves. Donc, si, si jamais ils tombent sur les vidéos ils disent, Oh mon Dieu, il va arrêter les cours, bah ben non, je vais continuer avec les élèves que j'ai déjà en place. J'abandonne jamais un élève en cours de route, mais je vais prendre de moins en moins d'élèves de, de, en cours privé. Et si, euh, si vous voulez apprendre à jouer l'harmonica et vous voulez vraiment des cours pers ultra personnalisés, ben on peut aussi faire des cours collectifs. Quoi. Donc, euh, je voudrais simplement que vous me disiez sous la, sous la vidéo, euh, pas, pas tout de suite, là, mais pour ceux qui regardent la rediffusion, euh, si, si cette formule vous intéresse et euh, si, voilà, si ça vous intéresserait de, de faire partie d'un petit cours collectif. Encore une fois, le cours collectif, c'est 2, 3, 4, 5, 6 personnes maximum et euh, avec la, en plus l'avantage d'avoir le, le cours qui est enregistré et ensuite que vous pouvez voir en rediffusion. C'est aussi ça l'avantage par rapport au cours privé ou… Ah, qu'est-ce qu'il m'a raconté le prof Je j'ai pas noté ça. Bon, je reposerai la question la semaine suivante. Là, si on est en atelier en ligne et que le cours est enregistré, bah, vous n'avez pas besoin de reposer la question. Il suffit de revoir la vidéo. Okay Donc, si vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me permettrait de voir effectivement si cette formule vous intéresse.